souffre un peu avec ce live aujourd'hui, mais là j'ai la possibilité de le faire, donc je me dis que de toute façon vous pouvez le voir autant que vous voulez en replay. Alors je me lance. Un yin et restaurateur, tout doux, avec le mur, une couverture, une paire de coussins et un foulard ou bien une sangle de yoga bien sûr si vous en avez une. On va commencer tout de suite avec le mur, la couverture et le foulard. Je vais d'abord en fait sangler mes jambes au niveau de mes mollets. Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de relâcher complètement nos jambes sans qu'on ait besoin d'y penser, même de façon inconsciente. Là, on va vraiment pouvoir relâcher les pieds et les jambes. Je vais me rapprocher de mon mur. Alors comme vous le voyez, moi j'en ai un calorifère. Idéalement, si vous avez un coin de mur sans calorifère, c'est vraiment mieux pour vous. Vous allez pouvoir aller coller les fesses contre le mur sans problème, ce qui ne va pas être mon cas, donc ne prenez pas mon exemple. Je vais aller m'installer de profil au mur et rapprocher mes fesses le plus possible. En même temps que je vais aller allonger ma tête et ma nuque sur ma couverture, je vais monter mes jambes contre le mur de cette façon. Et ici je vais ajuster la posture. Je vais aller le plus possible coller les fesses contre le mur sans que ça étire en arrière de mes cuisses. Ça c'est bien important, on veut juste du relâchement pour cette posture, pas d'étirement. Donc si vous manquez un peu de flexibilité et que vous sentez l'étirement, reculez tout simplement les fesses du mur. Si au contraire vous êtes plus flexible et que vous ne sentez pas cet étirement, alors vous allez pouvoir coller les fesses contre le mur. La couverture vient s'installer en dessous de la nuque et de la tête. Les bras vont être en cactus, c'est ça le cactus là. Je dépose les coudes à hauteur des épaules et les mains à hauteur des coudes. Et ici, je vais prendre le temps du relâchement. Je relâche mes jambes, mes pieds. Je relâche mes mains, mes bras, mes doigts, mon visage, le haut du corps. Je prends le temps de quelques respirations pour arriver dans cette posture et me relâcher totalement. Puis je vais venir visualiser l'espace que j'ai à l'intérieur de la cage thoracique, de mes épaules jusqu'à mes dernières côtes, de ma poitrine en avant jusqu'à mes omoplates en arrière. Lorsqu'il est facile pour moi de visualiser l'espace que j'ai à l'intérieur de ma cage thoracique, je vais pouvoir y installer ma respiration. Je vais laisser la respiration se concentrer juste dans le cylindre de la cage thoracique, dans l'espace que j'ai visualisé auparavant. Dans les premiers cycles de ma respiration thoracique, je vais prendre le temps d'observer les mouvements qui sont inhérents à cette respiration. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'inspire? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'expire? Dans un premier temps, ce sont les mouvements plus superficiels qui me viennent. Mais au fur et à mesure des cycles de respiration, je m'en vais plus profondément à l'intérieur de la cage thoracique et je vais observer les mouvements qui sont plus subtils.
mouvements qui sont plus profonds. J'apporte ensuite mon attention vers le ventre. Et tranquillement, je visualise tout le ventre, de mes dernières côtes jusqu'à mes épines iliaques, de mon nombril jusqu'à mes lombaires. Fais ensuite descendre la respiration dans le ventre. Je laisse le souffle se concentrer à l'intérieur de la zone que je viens de visualiser. Et comme je l'ai fait pour la cage thoracique, je viens observer les mouvements qui sont inhérents à ma respiration ventrale. Que fait mon ventre lorsque j'inspire ? Qu'est-ce qu'il fait ensuite lorsque j'expire? Les mouvements superficiels du ventre et du bas du dos observés. J'entre un petit peu plus profondément à l'intérieur. J'observe les mouvements plus profonds, plus subtils. Enfin, je vais descendre l'attention vers le bassin, entre les épines iliaques, le pubis, le plancher pelvien, le coccyx, puis le sacrum. Je prends le temps de bien visualiser l'espace avant de descendre le souffle, la respiration jusque-là, jusqu'à le sentir contre mon plancher pelvien. J'observe. Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Lorsque je pratique ma respiration pelvienne, reste ici encore 5 grandes respirations.
puis je vais replier doucement les jambes jusqu'à ce que mes pieds soient à hauteur des genoux. Je place mes pieds bien à plat contre le mur, puis je vais reculer jusqu'à ce que mes épaules soient sur la couverture en ayant un espace d'environ 2 doigts du bout de la couverture. La tête se retrouve au sol et la nuque se retrouve dégagée. Les pieds sont à hauteur des genoux. Les bras vont s'installer le long du corps. Les omoplates vont se rapprocher l'une de l'autre. Les épaules aussi, mais en arrière du dos. Une fois que vous êtes installé, vous allez pousser dans les pieds et soulever le bassin. Donc je soulève mon bassin. Je vais venir engager mes cuisses, engager mon dos, mes épaules et mes bras pour cette inversion. Ici, aucun poids ne doit aller dans les cervicales. C'est pour ça que normalement la couverture se retrouve seulement sous les épaules de façon à libérer votre nuque et vos cervicales. Ajustez la couverture au besoin. Ramenez bien vos omoplates l'une vers l'autre. Faites l'action dans le dos nécessaire à maintenir ce rapprochement de vos omoplates. Pressez dans les pieds. Contractez légèrement vos fessiers. On reste ici dans cette inversion qui nous permet de ramener un sang neuf vers les poumons, vers le cerveau, le cœur, tout ce qui se trouve au-dessus du bassin. Un sang neuf rempli d'oxygène. Je maintiens la posture. Encore 2, 3 respirations. Puis je vais déposer le dos doucement, une vertèbre après l'autre, avant de me tourner sur le côté droit dans la position du fœtus en remontant la couverture sous la tête. Prenez un instant ici. En fait, après on prendra appui sur la main gauche et à la force du bras gauche, on va se redresser doucement. J'aurai besoin maintenant d'un coussin. On va pouvoir libérer nos jambes en retirant le foulard ou la sangle. Alors, je vais placer le coussin ici. Je vais me mettre vers le mur. Je vais placer le coussin en dessous de mes fesses, au-dessus de mes talons. D'accord ? Donc, je suis sur les genoux. Si vraiment c'est douloureux pour vos genoux, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de surélever un petit peu plus les fesses en rajoutant un coussin. Ou bien, si c'est toujours vraiment inconfortable, vous pouvez aussi vous installer dans la posture de l'Indien. D'accord ? Mais avec les fesses surélevées. Je vais me mettre à une distance raisonnable du mur. J'ai du mal à évaluer, mais peut-être la distance d'un bloc de yoga à plat à peu près. Vous allez vite pouvoir vous apercevoir si vous êtes trop proche du mur. On va pratiquer des torsions avec un appui sur le mur. Alors dans un premier temps, j'installe mon bassin au neutre. Souvent on a tendance à l'avoir en rétroversion. Là on va l'installer au neutre. Ça va me permettre ici d'allonger la colonne vertébrale. Je vais faire vraiment une traction de la colonne vertébrale. Un petit peu comme si le sommet de mon crâne était aimanté par le plafond. Mes épaules restent basses. Dans ma torsion, je vais d'abord tourner mes hanches légèrement vers mon mur, puis mon ventre, ma cage thoracique, mes épaules. Je vais placer le bout de mes doigts contre le mur. Là, vous voyez, si vous êtes trop loin, vous pouvez vous rapprocher un petit peu, ou inversement si vous étiez trop proche, puisque c'est vraiment le bout des doigts qui doit être contre le mur.
Comme vous pouvez le voir, mes doigts sont au niveau des épaules ou en dessous parce que je ne veux pas hausser mes épaules, je veux les garder basses. Je maintiens ma torsion. Mon bassin, mon ventre, ma cage thoracique et mes épaules sont tournées vers le mur. Mon nez reste aligné avec le centre de ma poitrine. Je continue de maintenir la traction au niveau de ma colonne vertébrale. Je ne pratique jamais les torsions sans traction de colonne vertébrale, très important. Respire ici, ferme tes yeux. Doucement devant. Et on va se mettre debout en restant toujours du même côté. Garde ton coussin près de toi puisque tu en auras besoin. Debout, je vais garder la même distance du mur que celle que j'avais lorsque j'étais à genoux. Mes pieds sont largeur de mon bassin. J'allonge mon bras contre le mur. Là, vous ne voyez pas, mais ma paume de main et bien à plat au mur et les doigts sont bien ouverts. Puis je vais descendre tranquillement ma main à 11h. Là j'observe, est-ce que je suis confortable? Est-ce que je sens l'étirement profond à l'intérieur de ma paume de main, de mon avant-bras? Peut-être jusque dans mon épaule ou dans mes pectoraux. Si c'est confortable, je vais descendre à 9h. Toujours la même bien à plat. Tout le reste de mon corps reste bien face en avant. Relâche tout doucement à 7h. Puis à 6. Et je relâche complètement le bras. Je vais tourner pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Tu montes d'abord à midi. Puis tu descends. 1h. Si tout va bien, tu descends à 3h et tu maintiens. Attention à garder bien tes deux épaules face devant. Entre 4 et 5. Et relâche tout doucement. On va repartir au sol pour aller faire notre torsion de ce côté-ci. Donc je m'installe sur les genoux ou en indien, rappelez-vous. Une distance exactement la même que celle que vous aviez lorsque vous étiez debout de votre mur. Et on prend le temps. Je place mon bassin au neutre. Je me grandis, je garde mes épaules basses. Et je commence ma torsion. D'abord mes hanches, mon ventre, ma cage thoracique,
mes épaules et je place le bout de mes doigts au mur. J'ajuste ensuite l'éloignement du mur. Si je suis trop près, je recule et inversement. Garde bien le nez aligné avec le sein de la poitrine. Continue d'allonger la colonne vertébrale. Relâchez doucement votre torsion. Prenez une ou deux respirations ici. Vous allez pouvoir tasser un petit peu votre couverture. Et on va se lever. Je retire mon coussin aussi. Je vais installer mes mains. Je m'avance contre le mur, pardon. J'installe mes mains au niveau de mes épaules. Le bout des doigts arrive à hauteur de mes épaules. Je fais un grand pas en arrière. Je place mes pieds largeur du bassin. Mes doigts sont bien ouverts et mes mains sont largeur de mes épaules. Je presse dans le mur et je tire mes ischions vers l'arrière. Garde tes genoux légèrement fléchis. C'est l'équivalent d'un chien tête en bas. Allonge ton dos au maximum. Garde la tête entre les épaules. La tête, en fait, est dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Si c'est confortable, descends un tout petit peu tes mains, l'équivalent d'une main. Et place tes deux mains au même niveau. Et observe si c'est confortable. Ici, c'est normal que tu sentes l'étirement en arrière de tes cuisses, peut-être en arrière de tes mollets aussi. Cinq grandes respirations. Tu vas te redresser tout doucement. Reviens vers le mur. Dépose ton front contre le mur et maintiens ici. Les bras le long du corps. Relâche-toi. S'éloigner du mur et on va retourner au sol avec cette fois on a besoin de nos deux coussins. Si vous en avez un qui est plus ferme, c'est celui qui va aller contre le mur. Ensuite, on va aligner l'autre coussin. Et enfin, la couverture. On attachera nos jambes. Vous pourrez choisir soit la partie charnue des mollets, soit les cuisses, comme vous préférez. On les attache ensemble dans le même principe que ce qu'on a fait au début du cours. On veut pouvoir se relâcher complètement, même si c'est inconscient, comme je vous le disais.
on a forcément le réflexe de maintenir les jambes ensemble. Donc nous, on veut vraiment pouvoir relâcher le corps et laisser le travail se faire tout seul, puisqu'on est dans un travail passif et soutenu en restaurateur ici. Alors, comment je m'installe? Je vous montre d'abord. Je vais placer mes fesses sur le premier coussin, donc celui qui est le plus contre le mur. Et comme on l'a fait au départ, on va s'allonger, donc allonger le dos sur les deux coussins, les épaules sur la couverture, la tête au sol, en montant les jambes au plafond. Donc là, la couverture doit être sous les épaules, mais pas sous la tête. Les épaules sont plus basses que la cage thoracique, que la poitrine et que le bassin. Les bras sont en cactus. Ce que vous devez observer ici, d'abord que la gorge est relâchée. Donc vous pouvez toucher la peau du cou pour voir si elle est tendue ou non. On doit observer que la cascade, l'ouverture, se situe ici, d'accord, au centre de la poitrine. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Ajustez les coussins. Enfin, vous devez observer que votre ventre ici est un lac calme. Le ventre est plat, d'accord, vous n'êtes pas penché, le bassin n'est pas penché. Donc, de là jusqu'au centre de la poitrine, du pubis jusqu'au centre de la poitrine, normalement c'est plat. Ensuite, il y a la cascade. Donc la descente, les épaules sont plus basses, mais soutenues par la couverture et la tête est au sol. On restera une dizaine de respirations ici. On le fera en silence et on observera l'ouverture du cœur qui se fait ici. Doucement les jambes et basculez sur le côté droit. Retirez vos coussins.
remontez la couverture sous la tête et réinstallez-vous les jambes au mur, les pieds en l'air. On prend 3, 4 respirations ici. Les bras peuvent être le long du corps. Nos deux jambes, on va installer nos pieds l'un contre l'autre dans la position du papillon. Laisse glisser ta sangle, ton foulard au niveau de tes pieds. À nouveau, c'est pour les maintenir ensemble sans que tu aies besoin d'y penser. Ferme les jambes, bascule sur le côté droit. Retire le foulard au passage. Ta main droite sur ta tête. On va se redresser tranquillement en prenant appui sur la main gauche. Glisse un coussin sous les fesses et trouve une posture assise confortable. Celle de ton choix. Le dos bien droit, les épaules basses. Ferme les yeux. Les mains en prière au cœur, je t'invite à trouver une intention, un sankalpa pour la suite de ta journée. Tu as envie, chante une fois le son Aum avec moi. Prends une grande inspire. Merci à l'infini. Faites la meilleure des journées. Namasté. Merci pour ce petit cours live improvisé. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous avez aimé la musique, vous l'avez sur mon Spotify, Claire Vinel. Et la playlist s'appelle Deep Focus. Je vous aime fort. Bye.